Hola, de Cascada Café Retiro à Popayán, Colombie. Veuillez appuyer sur le bouton J'aime. J'apprécierai votre aide pour diffuser ces informations importantes. Veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Je vous remercie. Ceci est une des nombreuses pièces d'attaque qui figurent dans les nouvelles générales. Ceci est venu d'un journaliste du Wall Street Journal. Je suis journaliste au Wall Street Journal. J'écris sur la désinformation liée au coronavirus qui prolifère en ligne. Une partie de ce que je prévois de souligner est la publication par GST Report de vidéos YouTube qui, entre autres, font circuler des allégations non prouvées telles que le virus est une pandémie artificielle. Je cherche des commentaires à ce sujet de SGT Report. Sean de SGT Report a répondu « À ce jour, aucune source n'a été fournie pour étayer l'allégation selon laquelle COVID-19 était magiquement né sur un marché humide en Chine. Cependant, il existe des preuves substantielles qui soutiennent la thèse selon laquelle la source réelle de COVID-19 était un laboratoire de recherche biologique de niveau 4 à Wuhan, en Chine. Selon beaucoup de ceux qui ont étudié la tâche, dont le professeur Francis Boyle, le COVID-19 est une souche armée du coronavirus et donc conçue. Le New York Post pose certaines des mêmes questions sur le COVID-19 que nous avons posé. Signaler ces faits n'est pas de la désinformation, c'est du journalisme d'investigation. Sean, sgtreport.com. Cet article a été écrit par Tyler Durden. Quelles sont les chances? Une chronologie des faits reliant COVID-19, le VIH et le biolaboratoire secret de Wuhan. Proportion pandémique. COVID-19 commence à devenir incontrôlable partout dans le monde. Il y a une semaine, il y avait environ 3000 cas confirmés hors de Chine et maintenant il y a plus de 10 000. Sean est allé à Costco un dimanche. Il n'avait plus de papier hygiénique et d'eau. Ils ont dit qu'il l'aurait mardi et voici ce quoi ressemblent les étages mardi. Pas de papier, toilette et pas d'eau. Le point troublant est que la plupart des gens ne croient pas que le coronavirus soit un problème. Il y a un très petit pourcentage de personnes, probablement moins de 1%, qui est conscient et accepte que ce problème, COVID-19, est une préoccupation réelle et ne va pas disparaître. La plupart des gens pensent que c'est pas pire que la grippe. Aux États-Unis, il n'y a pas de panique à propos de COVID-19 et déjà les étagères des magasins sont vides. Que se passerait-il alors si quelques personnes de plus se rendront compte que COVID-19 vient de démarrer? Où est-ce que ça va et à quelle vitesse? Vous pouvez choisir de continuer d'écouter les médias principaux, les autorités externes et garder la tête dans le sable ou vous pouvez choisir d'écouter votre âme, le vrai vous, l'autorité intérieure et commencer à agir maintenant. Il reste encore un peu de temps pour se préparer et faire le choix entre écouter votre ego mental, l'autorité extérieure ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Le choix est entre l'amour, l'âme et la peur, ego. Dans cette période de transition que nous vivons maintenant, nous devons être malléables et adaptables. Nous ne devons pas vivre dans l'ignorance. Le cheminement pour chaque individu est unique. Il n'y a pas de solution gouvernementale. La solution est individuelle et interne. Essayer de comprendre les détails de ce qui se déroulera dans un avenir proche est futile et se préparer physiquement avec de l'or, de l'argent et une réserve de nourriture avec des fusils ne sera tout simplement pas suffisant. La préparation interne est la clé. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes. Dans cette préparation intérieure, aucune préparation physique ne nous sauvera.
Ne rien faire et attendre un sauveur technologique externe est encore plus fou. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez ces informations et rejoignez-nous dans cette aventure. Je souhaite enseigner ce que j'ai appris au cours des 18 dernières années. Traitement dentaire de haute qualité et jusqu'à 75 % d'économie en Colombie. Séjour de longue durée sur une ferme colombienne, 120 USD par semaine, 420 USD par mois. Cours d'espagnol. Atelier Conscience de la vérité au Cascada Café Retiro du 6 au 10 avril 2020 en anglais et du 1er au 5 juin en espagnol. Je suis également prête à offrir des ateliers en français. Amour infini.